There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseeable, but the mission is clear. Deliver us the moon. Bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle série sur Deliver Us the Moon. Intro un petit peu particulière, d'habitude je laisse jamais l'intro du jeu jouer comme ça sans aucun commentaire, mais je voulais vous mettre dans l'ambiance. Maintenant que vous savez de quoi il s'agit, on va lancer une nouvelle partie. J'ai juste fait le premier niveau, pour me familiariser un petit peu avec tout ça, voir si ça valait le coup, etc. Et écoutez, je suis très intrigué quand même. Du coup, l'idée, c'est que, vous avez compris le principe, c'est un thriller, donc c'est pas de l'horreur. Moi, j'aime pas les jeux d'horreur, donc je voulais surtout pas que ce soit ça. Mais c'est un thriller, il se passe quelque chose, il faut découvrir quoi. Et on va devoir secourir un petit peu, mais aller voir ce qui se passe sur la Lune, en tout cas. Donc, c'est très narratif comme jeu. Vous savez que d'habitude, je fais plutôt des jeux créatifs, mais j'aime bien les jeux narratifs que je partage pas toujours, mais auxquels moi j'adore jouer. Et celui-là, je me suis dit, pourquoi pas le partager. Et sur Twitter, vous m'avez dit plutôt en vidéo. Donc, c'est parti. Alors, on peut examiner. Il y a pas mal de bouquins qu'on peut voir. Et j'ai laissé le jeu en anglais, les voix en anglais, parce que je préfère largement ça. Par contre, je vous l'ai mis des textes en français. Alors, là, toutes ces instructions-là, je ne savais pas, ça je vous spoil un petit peu parce que c'est le dernier truc que j'ai fait, s'il fallait que je le retienne et tout, et en fait, non, c'est bon, les instructions, on nous les redonne. Mais j'ai eu peur parce qu'on les retrouve genre trois fois d'ici la sortie. Bref. Donc, Claire qui me parle, on va récupérer notre combinaison. Donc je crois qu'on s'appelle Fortuna, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, Fortuna One, ça doit être mon... C'est pas mon nom, c'est mon call sign. Hop, WSA, World Space Agency. Oui, on confirme le contact. Alors, on ne parle pas, mais... Alors, ça, rendez-vous sur la plateforme de lancement. Moi, je suis l'astronaute. Je suis censé juste aller à la plateforme et vous occuper de tout le reste. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois m'occuper de ça? Je ne sais pas, mais bon. Et ça me semble tellement pas réaliste. Regardez-moi une fusée avec toute la puissance qu'elle a, qui est sur une plateforme suspendue dans le vide. Ça me semble un petit peu étonnant. Alors, j'avais loupé certains des trucs à collectionner, mais je pense que je vais en relouper. De toute façon, c'est juste des trucs à collectionner, bon, non découverts, blablabla. Donc là, il y a quelques autres trucs, il y a des transmissions, des machins... Je pense que c'est pas extrêmement grave si je les rate et ça va m'éviter de faire le tour de tout et de ralentir un peu. Après, je peux toujours faire des ellipses. Hein, mais... Oui, je sais comment on sprint.
Hop. Donc là, ouais, là il y a des trucs. C'est quoi ça? Ah, c'est un... ah oui, d'accord, sympa, c'est un hôtel pour quelqu'un qui est mort. C'est la famille Johansson, ok. Et je croyais qu'il y avait un truc... Ah ouais, non, ça c'est juste un bouquin qui dit à quel point le MPT c'était incroyable. Sauf que c'est cassé. Hop. Base de données, c'est quoi? Le monument Sputnik, ok. Ah, je me demande s'ils sont dans l'ordre. Auquel cas, je sais que j'en ai pas encore loupé. Hop. On monte. Alors, je sais exactement ce qu'il faut faire, même si là, par accident, il se trouve que j'étais monté avant. En fait, j'ai pris l'habitude avec tous les RPG, particulièrement genre Oblivion, c'était vraiment celui qui m'a donné cette habitude-là, de si je me dis qu'il faut aller à un endroit, et ben j'y vais pas. Je fais tout le reste avant, parce que on sait jamais, je pourrais pas toujours faire marche arrière. Non, y a rien là. Et de fait, là, je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière. Non, y a rien ici, j'étais déjà allé. Hop! Donc, petit ascenseur, on remonte. Je sais pas d'où elle me parle, si elle est pas dans le centre de commandement, mais bon. Ah, et donc ça, c'est le fameux truc qui recevait l'électricité. Oui, 5 ans, je sais, j'ai suivi le truc au début. But the WSA proved the skeptics wrong. Just like you will, when you get the MPT back online. Alors, il y a des trucs à voir là-dedans ou pas? Ah! Code 3548. C'est bon à savoir, ça. Hop. 3548. C'est bien, on avance vite. Ça, on peut voir à travers, mais on veut pas l'ouvrir. Ah, la lumière. This building once functioned as part of the WSA, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Ah, ce qui s'est passé après le MPT. Donc ça, si jamais ça vous intéresse, voilà, je vous les mets, je vous laisse faire pause. Hop. Alors, j'espère que le reste du jeu ne sera pas comme ça. Pour le coup, je trouve que ça promet, hein, ça me paraît vraiment très cool. Mais... ah, c'est quoi ça? Je peux zoomer. Pendant la peine de Huygen, nous étions en contact avec la Terre. La coupure générale, c'est une autre chose. Comment une colonie entière peut-elle perdre tout contact? Que s'est-il passé là-haut? Qu'est-ce que... Ouais, je trouve ça très 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 guidé pour l'instant. Et c'est ce que je disais. J'espère que ce sera pas le cas plus tard. Donc ça, c'est... Non, c'est un autre truc. De quête, la panne, ok. La... Nous sommes rencontrés... Alors, Sarah, nous sommes rencontrés il y a quelques années dans un statut spatial Pearson. J'ai été licencié après la panne de cryosommeil de Huygens. Vous vous souvenez de l'unité ASE endommagée dont nous parlions? Je cherche un moyen d'extraire ces données holographiques et je me demandais si vous pouviez aimer Maria. Bonjour Maria, oui, je m'en souviens, les données holographiques passent par un composant matériel unique. Je suis spécialisé dans les logiciels, vous feriez mieux de contacter mon collègue Rolf Robertson sur Pearson. C'est un excellent mécanicien. Sarah Baker. Ok, et là, in memoriam... Malfonction. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Malfunction. Je ne sais pas. La panne, on va dire. Là, il n'y a rien. Ah, ça, ça m'a l'air d'être un truc, non? Ok. Ah, c'est où la centre de contrôle, quartier de l'équipage? Ok. Vous voyez, même. Je sais pas si elle a du sens, l'organisation de cette base, du coup. Alors, je sais que je suis très critique pour l'instant. Hein. Mais j'ai quand même choisi de faire des vidéos sur le jeu, donc je le trouve très très cool. Mais il y a certains trucs qui sont assez étonnants. Hop.
Là, on peut passer, non. Ah, est-ce que je peux prendre de la bouffe par ici? Tiens, j'étais pas venu ici. Eh ben, il n'y avait rien à voir. Très bien. Hey, merci à tous. Fortuna 1 est paré. Bureau de Claire. Ah, donc j'ai bien loupé un truc, là. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Ok. Du coup, voilà, un petit peu de background. Vous avez vu le document aussi, apparemment, son père était un salaud, globalement. Et moi, vu que j'ai loupé un truc, je vais essayer de voir si j'arrive pas à le trouver tout seul en me baladant un peu. Ah ben voilà, je l'ai trouvé. Fortuna. Du coup, voilà le plan de la mission qui est là. Ouais. Ok, cool. Bah du coup, je peux retourner à notre mission principale. Consigne d'évacuation et B. Ok, très bien. C'est parti mon kiki, on continue du coup notre exploration. Il n'y a rien par ici? Non. Et du coup on va arriver vers le centre de contrôle, enfin. Attends, j'ai quand même envie d'aller dans chaque coin maintenant que j'ai vu à quel point c'était facile de louper un truc alors que je cherchais. En même temps apparemment il y a vraiment... Il y a genre 50 trucs dans le jeu en tout. Donc bon. Ici, c'est le redémarrage, c'est parti. Et... Alors, donc oui, c'est vrai qu'il y a une tempête qui arrive, beaucoup plus rapidement que prévu, évidemment, sinon c'est pas drôle. Fermez les deux vannes de carburant, et ensuite il y a une clé. Ok. Du coup, la clé, elle est là. Avant, on a les deux vannes qui sont à l'extérieur. Hop. Ah, on n'a pas de truc... Non. Je disais qu'on avait peut-être un truc caché là-bas, mais... tiens, toi, je vais en avoir besoin tout à l'heure. On monte pour aller chercher les vannes. Ah, c'est marrant. Donc, vous allez voir que ce qui va se passer à la deuxième vanne, moi, la dernière fois, je les avais fait dans l'autre sens. C'est pour ça que là, je suis venu faire celle-là en premier pour par curiosité. Et donc, c'est marrant. C'est pas celle de droite, c'est juste la deuxième qu'on emprunte. Oui, il se passe ça. Hop. Donc du coup, c'est plus un jeu de puzzle et d'histoire, d'intrigue et tout qu'autre chose. Et moi, je sais que je l'ai trouvé assez rapidement, j'étais là en mode, bah, il se passe quoi? Puis après, j'ai vu que cette plateforme-là, on pouvait la remonter. Hop. Et aussi, on voit, il y a un escalier, bah, je vais vous montrer. Il y a un escalier comme ceci, exactement, qui est en haut, mais qui est coincé sur son côté. Du coup, ça nous fait un petit peu penser à ce qu'on pourrait prendre. Et forcément, quand on descend ce truc-là... On arrive et on se dit, ah mais oui! Donc, on a notre escalier qu'on va pouvoir placer au bon endroit. Et prendre notre fusée. Ah oui, celle de droite. De gauche, du coup. Voilà. On monte, on s'occupe, hop, de l'autre valve. Et on a une clé à aller tourner maintenant. Qui va nous permettre de tout activer a priori. Mais tu vois, Leven, elle le voit où ça? Si elle n'est pas au contrôle, ça je trouve ça trop bizarre. Hop, c'est parti. Petit moment d'hésitation parce que c'est un moment... incroyable, ça fait 5 ans qu'on bosse pour arriver là. Oh non, elle se barre sans... Non, c'est bon, c'est juste.
Et go, trop cool. Qui a besoin de toute une équipe, hein? NASA, SpaceX et tout. Franchement, c'est vraiment overkill quand ils ont toute leur salle remplie. Alors, j'ai 1 minute 30. Ça devrait pas être trop problématique. Hop. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer par ici? On sait jamais, hein, on peut prendre le temps. Non, rien à récupérer. Allez. C'était histoire que ce soit pas que un couloir. Et nous y voilà. Coucou, c'est moi. Bon, ben c'est parti pour le grand voyage. Et ouais, donc je vous disais, c'est un jeu d'énigmes, un thriller et tout, et il y a notamment des, ouais, des mini-jeux, des trucs comme ça, et là on va voir le premier. Enfin, je suppose le premier, moi je me suis arrêté juste après ça, donc je ne sais pas si ça continue. Voilà, donc là on a le launch sequence qu'on avait vu, et où je me disais, mince, il faut que je m'en souvienne de ça. Donc là, on active tout. Ensuite, maintenant il y a le deuxième à activer, il faut le lâcher. Là. Parfait. Le 3, c'est ça. Il faut faire... c'est écrit A1, A3, B3, B4. Ok, là, on est bon. Ensuite, 4, ça va être ici. Ah, non. Ok, nickel. 5, ça va être ces trucs-là. Alors, les instructions sont là. Il faut juste le faire rapidement. Moi, vu que je l'ai fait quand je me suis préparé. Boum, on active. Bon bah c'est parti, vous êtes prêts? Bon bah, 3, 2, 1, lift off. Oh yeah. C'est parti, et donc là... Ouais, on voit la Terre qui bouge de l'autre côté. Cool! Ah, on ne peut plus voir. Mais du coup, on est en train de décoller pour rejoindre Pearson. J'allais dire une station. Oui, ici, c'est une station qui est au-dessus de la Lune et qui, en théorie, nous envoie l'électricité. Mais elle ne marche plus depuis 5 ans. Pourquoi? Alors, attendez, parce que c'est pas fini. Là, on est fait 7. Il y a un autre truc à faire là-bas. Ça va être le deuxième étage ou un truc comme ça. C'est étonnant que ce soit pas automatique, mais... Hey, ça y est, on est en route. Ah ouais, alors par contre, les manœuvres orbitales, genre le fait que là, on soit allé tout droit et que maintenant, on tourne, pour tous ceux qui ont joué à Kerbal Space Program, ça fait mal. Vous avez vu, le pire, c'est le plomb qui arrive juste là, où on va lâcher les boosters. Alors premier arrêt, après, j'arrêterai de vous dire ce qui s'apprête à se passer, parce que je ne le saurai plus. Oh. Ah, c'est magnifique. Ouais, elle est pas terrible notre planète maintenant. Et pourtant, c'est une planète qu'on va voir. Là, c'est en 59, donc on sera toujours en vie. Enfin, j'espère. You'll need to find the MPT transmitter at the Pearson Space Station. From there, the power signal was relayed to Earth. This was the final link in the MPT network before the blackout. If there are answers to find, they're at Pearson, clear? Remember her. Souviens-toi d'elle. Okay. Fortuna 1, this storm is going to jam radio contact. You'll be on your own for a while. To reach the station, you must... On a l'Inde. Afrique à gauche, je peux pas bouger plus mon curseur. Ouais, je vais vous livrer. Hop, donc, termine la seconde étape, blablabla. Donc ça, je crois que c'est tout ce que... Ouais, c'est tout ce que j'ai fait, ça. Très bien. Eh ben, ok.
Mise à feu. Ouais, c'est quoi, c'est ça? Ah. Allez. Donc vous allez voir, c'est ce plan-là que... Hop. Le fait que ça reparte dans l'atmosphère vers la gauche, ça n'a aucun sens. Ça devrait continuer sa trajectoire vers la droite, mais plus proche de la planète, et du coup, au bout d'un moment, rentrer dans l'atmosphère. Bon, enfin, c'est pas très très grave. Mais qui pinaille. Ah, Deliver the Moon, voilà. Du coup, nous, on va se laisser là. Merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. Épisode court pour commencer, on verra le rythme après, mais là ça me semble un bon moment pour s'arrêter. Et du coup on se retrouve dans quelques jours pour la suite de Deliver Us the Moon. Bye bye.